Bonjour docteur, toujours Marie Villard au téléphone, toujours au sujet de ma mère. Docteur, je comprends pas, je vous ai laissé plusieurs messages depuis hier et il y a personne qui me répond. Je fais comment moi? J'attends qu'elle meure? Merci de me rappeler. Vandelis, bonjour. Allô. Allô. Papa. Ma puce. Ça a été l'école? Oui. Mmh. Et toi? Ça a été le boulot? Faut que je te raconte quelque chose. Ben ça te fait pas rire? Bouf. T'es crevée Marie, tu sais plus ce que tu fais. Ben si, ça fait toujours plaisir. Non, mais je te dis juste que tu devrais penser à te faire aider, c'est tout. Faut parler de quoi? Un truc trop rigolo. Tu vois qui c'est le docteur de mamie? Mm-hmm. Ouais. Eh ben en fait, au lieu de l'appeler lui, ben, je me suis complètement trompée de numéro, puis j'ai appelé le traiteur chinois à la place. Plein de fois. C'est plus drôle quand tu t'énerves sur papa. Ah ben ça fait toujours plaisir. Ah bah ça fait toujours plaisir. Ouais. Ah bah ça fait toujours plaisir. Ah bah ça fait toujours plaisir. Ah bah ça fait toujours plaisir. Ah, c'est bien ma chérie. Défends papa. Bah je veux pas ça moi. Mais n'importe quoi vous deux. Comme Marie, c'est normal de vous sentir parfois fatigué. Ayez le réflexe de vous faire aider. Un petit conseil entre nous. Sur Essentiel Autonomie, vous trouverez des informations et astuces pratiques.